רצח מחריד אירע אמש בשכונת עין כרם בירושלים. זוג הורים ושתי בנותיהם נורו אמש ונהרגו בשנתם. זה היה זירה קשה. בן משפחה נוסף ברח מהמקום ונצטף אצל שכנים. ילד קטן, פנים חדקות. היה לו מבט, איך כתוב בספרות? מזרה אימה? זה המינוח. עד היום, התיק הזה, אני לא שלם איתו. זה לא בן אדם שהרג ארבעה אנשים, או בני משפחה. זה ילד שיכול היה להיות הילד שלה. אז מה יש פה? מה קרה? כל שאלה ששאלת כדי להגיע למניע נורמלי, אפשר להגיד נורמלי על אירוע שכזה, אין. בסופו של דבר מדובר בילד גאון. אני יודעת, זה כואב. לא ראיתי אצלו אפילו דמעה אחת. מחסן את כולם את התכנון. זה לא אחד, זה ארבע. אם אני אדע את המניע שאתה חושב, אני אזדהה איתו, אני אבין אותו. Et nous voilà en Zoom avec Tali Shemesh, la réalisatrice. Bonjour, merci beaucoup. Mais quel choc, il nous a scotché vraiment ce documentaire. Merci, merci d'être dans Culture, Tammy. Merci de nous recevoir chez vous. Nice being here. Alors, vous êtes l'une des documentaristes les plus célèbres du pays. Vous avez étudié à la Spiegel School. On va vous présenter d'ailleurs. Hein. Vous avez réalisé une douzaine de films enquêtes, notamment le fantastique Cimetière Club, qui montrait ce club des rescapés de la Shoah et leurs réunions. Vous avez également réalisé Death in Terminal. C'était voilà, sur cette attaque terroriste à Beersheba. Et voilà donc The Motive, Tali. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce quadruple meurtre? Pourquoi vous êtes-vous intéressé? I know from my childhood in Jerusalem, this family that was murdered were close neighbors of mine, and I was 16 when it happened. C'est une histoire qui m'est familière depuis mon enfance à Jérusalem. Cette famille assassinée était nos voisins, et j'avais 16 ans quand c'est arrivé. Les deux filles étaient de très bonnes copines. Cela m'a bouleversée, et j'ai toujours su que je ferais quelque chose sur cette affaire, que je raconterais cette histoire sur mes deux assassinés, sur cette famille que je connaissais bien. Donc c'est une histoire très personnelle. Elle a marqué ma vie. And I know the whole family, you know, that stay behind. Close people, really. So it's a personal story in a way for me. It influenced my whole life, of course. C'est incroyable, ce documentaire est incroyable. Ça a dû être traumatisant de vivre ça de si près. Alors évidemment, on a envie de savoir, d'essayer de comprendre. C'était qui ce jeune garçon? Il avait 14 ans, il a tué toute sa famille à la carabine, son père, sa mère, ses deux sœurs, parce qu'il avait entendu une voix. Réexpliquez-nous. I mean, this is what happened in 1986 when... C'est ça qui est arrivé en 1986. C'est sorti un samedi matin à Ein Kerem. C'est un tout petit quartier. C'était Shabbat. Vous savez, Ein Kerem, c'est tout petit. C'est très spécial à Jérusalem. Et donc, on apprend ça à 7 heures du matin. J'ai été réveillée par un coup de fil. Et on me raconte ce qui s'était passé cette nuit-là. Et ce jeune garçon qui avait presque 14 ans, qui en paraissait 10, tout petit. This little boy who was almost 14, but looks like 10 years old, so small. Un enfant, un gosse intelligent, brillant, tellement bon, et le frère de mes deux copines. Il s'est levé la nuit et il a battu toute sa famille. Il a pris le fusil de son père qui venait de son armée et il a tué toute sa famille, ses parents et ses deux sœurs. Pour moi, quand j'étais petite, ils étaient la famille parfaite. Quand on était enfant, ils représentaient la perfection, ces trois enfants, tellement intelligents, tellement cool, tellement doués tous. Ils étaient bons en tout en classe, premiers en tout en maths, en anglais, des génies. Tout le monde les connaissait dans le coin. Brilliant, all of them, so talented. And he was, you know, the best, you know, at class, everything was, he was the best in everything, in math, in English, in everything. He was a genius. And everybody knew it in our neighborhood, you know.
Tali Shemesh, on comprend dans votre documentaire que des centaines de psychiatres se sont penchés sur le cas de ce gosse. Tous ont essayé de comprendre, de livrer un diagnostic pour tenter, je ne sais pas moi, d'expliquer ce geste fou. Comment vous, vous avez suivi ça? I remember it in real time. Hundreds of psychiatrists came from all over the world because it was the first time something like this happened here, and not just here, in the whole world until then. Never a child so small. Il y a eu des centaines de psychiatres qui sont venus du monde entier parce que c'était la première fois qu'un cas comme ça arrivait dans le pays. On n'avait jamais vu cela avant. Et ça n'est plus arrivé depuis. Ils ont tout essayé et les psychiatres ont conclu à sa normalité. C'était une impasse. Et je me souviens parfaitement de ce moment, lui répétant et répétant la même histoire que personne ne comprenait. Il a entendu une voix, il a vu un monstre vert qui lui a dit de tuer tout le monde. Il a répété cette histoire sans fin, tout le temps. Et tout le monde a essayé de comprendre. Il a rendu tout le monde chèvre. Vous comprenez, sa famille proche derrière lui était dévastée. Personne ne pouvait croire. Et moi non plus. Comment dire, personne n'a compris pourquoi il avait fait ça et ce pourquoi il se comportait comme il se comportait pendant l'instruction. Il n'a jamais dit « je suis désolé, je regrette ce que j'ai fait ». Il était toujours confiant, plus sûr de lui d'une certaine façon. Je m'en souviens, quand on a commencé à faire le doc, il y a 10 ans, c'était difficile pour moi, même d'approcher l'histoire. Vous devez comprendre que pendant 35 ans, c'est quelque chose dont personne ne voulait parler. Personne ne voulait l'aborder, ni s'approcher. C'était le drame absolu. Et personne n'osait, et même par rapport à la famille et par rapport à lui. C'est comme s'il n'avait pas laissé de traces. C'était une énigme totale. Personne n'a jamais compris pourquoi il avait fait ça. Il n'y avait pas de motif. Et là, c'est la première fois après 35 ans dans mon documentaire. La première fois que l'avocat parle, alors, dit quelque chose de différent. Alors justement, je vous coupe, pardon, Tali, mais est-ce que cet adolescent a été jugé? Est-ce qu'il a été jugé? Yes, of course. He's been judged. But his lawyer asked, you know, he said, okay, let's do a deal. Oui, bien sûr, il a été jugé, mais son avocat a trouvé un arrangement avec lui, un accord. Il lui a conseillé de plaider l'homicide, mais pas le meurtre avec préméditation. Il lui a conseillé de dire « oui, c'est moi, c'est pas le monstre vert ». Il n'a jamais endossé la responsabilité. Il disait toujours que c'était le monstre qui le contrôlait. Donc l'avocat lui conseille autre chose. Tu dis que c'est toi, tu assumes et tu ne seras pas accusé de crime prémédité. Tu seras accusé d'homicide, ce qui est totalement différent. Et tu n'as pas de motif. Et 8 mois après le meurtre, le procès a eu lieu. Et à peine commencé, il s'est terminé parce qu'il a fait un deal avec le juge. Vous comprenez? Vous n'avez pas de motif. Vous ne pouvez pas prouver que c'était un meurtre prémédité. OK. Alors, le juge et la cour, face à un si petit garçon, ont conclu que OK, c'est pas un meurtre prémédité. Quelque chose est arrivé. Personne ne sait comment l'expliquer. Et ils l'ont accusé d'homicide sans préméditation. Il a écopé de 9 ans de prison. Personne n'a jamais compris pourquoi, 1 mois après la condamnation, le gosse et l'avocat ont demandé l'héritage. Car en Israël, si vous tuez quelqu'un avec préméditation, vous ne pouvez pas prétendre à l'héritage. Mais si c'est un homicide accidentel, vous pouvez hériter. Alors il a eu la maison de famille, les retraites, tout l'argent après sa condamnation. Il a été dans une prison pour jeunes délinquants, qui n'est pas une vraie prison, et il a purgé 6 ans au lieu de 9 pour bonne conduite, et on cherche toujours à comprendre. And then he's serving only 6 years out of the 9 because for good behavior. Incroyable. Mais finalement, ce qu'on découvre dans votre doc, c'est qu'il a hérité. Ce serait ça le motif, Tali Shemesh? Pour hériter. It's the first time the lawyer, which is still in contact with him until today, he's the only person actually that knows him since childhood until today.
C'est la première fois que l'avocat parle. Il est toujours en contact avec lui, encore aujourd'hui. Il est la seule personne qui le connaît depuis son enfance. Jusqu'à maintenant, personne d'autre n'est resté en contact avec lui. Et l'avocat a souhaité parler pour la première fois. Et il a dit, bien sûr, qu'il n'a pas tué ses parents volontairement. Il les a assassinés, oui, vous avez raison. Bien sûr qu'il y avait un motif, mais je ne vous le dirai jamais. Mais oui, il y avait un motif. Et ça, c'était waouh, parce que c'était la première fois qu'on entendait cela. Nous, mais aussi le reste de la famille, qu'ils disent oui, je les ai tués parce que j'avais une raison, pas simplement pour rien comme un monstre. Et là, l'avocat nous a emmenés dans une autre lecture de l'affaire, différent. I didn't kill them just because a green monster. And the lawyers start taking you to a place, you know, a different place. Mais Tali, on ne comprend pas quelque chose. Parce qu'en Israël, on peut donc hériter si on tue dans un crime capuleux. Et expliquez-nous ça. On n'a pas compris cette notion-là. He inherited the house. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a hérité de la maison lorsqu'il avait déjà 15 ans. Sitting inside the juvenile jail, and he inherited the house. Il a hérité de la maison, des assurances, beaucoup d'argent. Et il avait 15 ans et immédiatement, il a décidé de vendre la maison et l'argent est parti sur son compte en banque. Donc, lorsqu'il a été libéré à l'âge de 21 ans, il avait tout cet argent pour commencer sa vie et il est sorti avec un diplôme qu'il a passé en prison. Donc, il est sorti avec de l'argent et un diplôme académique. Yeah, and he came out already with a degree. Academic degree. Ce n'est pas commun pour quelqu'un qui sort de prison. Not just with the money, but also with the degree, which makes him like, you know, something special. Vous pensez que c'est le fait divers le plus bizarre du pays, Tali, parce qu'on n'entend pas vraiment ce genre d'histoire en Israël, tuer toute sa famille parce qu'on entend une voix. C'est quand même un fait divers de dingue. Of course, because never before a child, which is a genius, the best boy, you know, in the school. Bien sûr, parce qu'auparavant, jamais un enfant, qui plus est un génie, le meilleur garçon de son école, jamais un enfant ne tue toute sa famille. Ça n'est jamais arrivé en Israël. Ce n'était jamais arrivé en Israël et ce n'est jamais arrivé après non plus. I never saw or heard about something more horrifying than your own beautiful child doing it, you know. C'est horrifiant. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu que ton propre enfant fasse ça. Et mes deux amis, des filles superbes, elles l'aimaient tellement. Bien sûr, c'est la chose la plus terrifiante du monde. Of course, this is the most frightening thing ever. Et qu'est-ce qu'ont dit les psychiatres? Est-ce qu'ils l'ont jugé responsable, la bouffée délirante? Qu'est-ce qu'ils ont vu, les psys, de ce gamin? Oh non, because no, he was admitted. And if you see, we talked with the psychiatrist, the main one who said he was not he. They looked at him for, you know, 1 month, and he was not. Non, non, il a été pris en charge. On a parlé avec le psychiatre en chef. Ils l'ont observé pendant un mois, et il n'avait pas de problème psychiatrique. C'est pour cela qu'il y a eu un procès. No, he was not psychotic. He was not. Il n'était pas psychotique et s'il l'avait été, ça aurait été différent. Son crime aurait été différent, sa réaction après aurait été différente. Mais il était OK mentalement. Et vous le voyez, il était si fort. Il ne s'est jamais effondré. Never. Personne n'a déclaré fou, finalement, et donc exempt de jugement. Je vous dis ça, Tali, parce qu'en France, il y a eu l'affaire Sarah Halimi, et le tueur n'a pas été jugé responsable. Ça a posé pas mal de questions sur la responsabilité. Vous en avez probablement... I know. Ouais. Voilà, and, donc... But you know, this is what's amazing. If you hear the psychiatrist, he says... Oui, je sais, mais vous savez, c'est ça qui est incroyable. Si vous écoutez le psychiatre, il n'a jamais essayé de se faire passer pour un fou, d'agir comme un fou. Il disait toujours et toujours la même chose. Il n'a jamais changé ses propos. Il répétait, il n'y a pas de motif particulier. Pas de motif. Crazy, didn't... No, he said there is no motive, no motive.